Mes chers amis, bonjour. Une petite vidéo aujourd'hui, HDV8 en speed building. Voilà, ça faisait un petit moment que je n'ai pas fait de speed building. D'abord, je demande à ce que vous soyez tolérants sur le fait que ma voix est toujours cassée. J'ai un petit peu malade. Il y en a qui m'ont demandé en commentaire lors d'une dernière vidéo qu'est-ce qui se passait. Donc voilà, j'ai juste une petite crève qui fait que j'ai une voix enrouée. J'espère que ça vous ne dérangera pas trop. Voilà, je vous montre le speed building. En action, donc il est speed, hein. Voilà, je sais qu'il y en a qui me disent ouais tu vas trop vite machin etc, mais ne vous inquiétez pas puisque en deuxième partie juste après ce speed building on verra en détail la base, on va l'analyser et puis je vous donnerai un lien Clash of Clans Builder qui vous permettra d'avoir la base vraiment en détail, vous pourrez la copier facilement, voilà, ça sera nickel. Et ça sera beaucoup plus simple pour vous, donc j'aime bien d'avance le format que je vais vous proposer sur cette vidéo. C'est un HDV8 qui a été réalisé par... Alors le speedbuilding a été réalisé par William Tech et je l'en remercie puisqu'il avait un HDV8, je trouvais ça sympa. Il y a un petit BFA design sur le château de clan, c'est plutôt très agréable. Ensuite c'est un village qui a été réalisé par Mongo Flago. Il y a de cela depuis janvier, donc ça fait quoi, 3 mois, un peu plus que 3 mois. C'est du lourd, il a fait un post aussi sur, je donnerai le lien pour avoir plus de détails, sur le forum officiel de Clash of Clans. Donc c'est en anglais, mais il y a pas mal de détails, parce que je sais pas si je vais traiter tous les détails sur le speed building, enfin sur cette base. Il y a énormément de choses qu'il a faites, il y a même des défenses de log, il y a aussi les différentes variations possibles. Voilà, donc maintenant on va passer à l'analyse. Voici le plan de la base disponible sur clashofclansbuilder.com. C'est une très 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 jolie base HDV8 farming. On va commencer tout de suite par le château de clan, qui est certes décentré, mais malgré tout, regardez, sa couverture n'est pas complètement mauvaise, elle est un peu décalée. Bien sûr, il y a toujours la possibilité d'inverser le château de clan avec l'élixir noir, la réserve d'élixir noir, ce qui vous permet de centrer parfaitement votre château de clan et de défendre, à mon sens, un peu moins bien l'élixir noir. Certains d'autres diront au contraire, ça défend mieux parce que le château de clan est plus difficilement détectable et donc du coup il va mieux gérer en défense. C'est vous qui voyez. Si vous jouez éventuellement un château de clan avec des super troupes très souvent en défense, alors peut-être que ça vaut le coup de tout le temps mettre le château de clan au centre. Sinon, vous pouvez laisser comme ceci. Voyez comment la réserve de noir est très protect avec 3 Tesla autour. Regardons les... Alors, la position du roi, elle est quand même bien centrée et défend une ressource de réserve. Nous avons l'or et l'élixir. Concernant l'ensemble de ces réserves, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 compartiments. Ce qui veut dire que les réserves sont toutes séparées une à une dans un compartiment différent. Et ces compartiments, regardez bien, ils sont très travaillés. On a des rectangles comme ceci, comme cela. Voilà, ça tourne. En fait, on fait une rotation sur ces rectangles-là et c'est parfaitement symétrique. Et l'acheminement des troupes va être complètement piégé, voilà, par ces directions-là. Ça va pas être évident. Il y a du funneling en première ligne ici. Ici aussi, regardez, c'est-à-dire qu'il y a des ouvertures, regardez bien, ce n'est pas fermé à ces niveaux-là. Et donc vraiment, ça, c'est très bien conçu. Donc on a un très bon compartimentage des ressources. L'élixir noir, comme on l'a dit, est très protect. On a des tours de sorcier qui sont juxtaposés aux réserves, donc entre l'élixir et l'or. C'est alterné parce que les gens, généralement, cherchent à farmer... un type de ressource, soit il focus sur l'or, soit il focus sur l'élixir. C'est vrai que des fois on peut chercher les deux, mais en tout cas c'est casse-pied parce que du coup pour l'or, bah regardez, on a une triangulation des réserves d'or ainsi que des réserves d'élixir qui est casse-pied parce qu'on peut pas attaquer par tous les côtés en même temps, de toute façon on va se faire piéger. La structure des murs, regardez bien, donc le funneling, quand les troupes vont être attirées par les ouvertures, il y a les tours de sorcier qui tapent derrière. Pareil ici. Et pareil ici. Alors comme il n'y en a que 3, on ne peut pas le faire à tout niveau. Donc cette entrée là est légèrement plus fragile. Néanmoins, il y a la tour d'archer qui peut taper sur l'entrée, voilà, qui compense légèrement. Les mortiers sont parfaitement placés. Regardez les couvertures des mortiers. On en a 4 qui sont en forme de parallélépipède. C'est très équilibré. Les Tesla, on l'a dit, on a une bonne triangulation ici qui défend également les réserves. Pas seulement la réserve de noir, donc également la réserve d'élixir ici.
et la réserve d'or ici. Donc ça, c'est très équilibré. Nous avons une très bonne triangulation également des antiaériens, qui sont pas trop décentrés. Regardez, ils sont en deuxième ligne. Nous avons les canons, les tours d'archer sur les extérieurs qui sont parfaitement équilibrés également. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en termes de répartition. Voilà, de zone de couverture. Voilà, on a une zone. Vous voyez comment c'est très très équilibré. On voit des nuages juxtaposés qui sont vraiment voilà, très bien étalés, très équilibrés. On voit pas de, comment dirais-je, de zones moins couvertes que d'autres. Un autre point important me semble la couverture aérienne. Voilà, donc on a une bonne cumulation au centre qui va bien défendre sur les réserves. Regardez, en fait, la réserve noire est très protect au niveau de l'aérien, mais également les réserves à côté sont en deuxième niveau et sont bien. C'est seulement les extérieurs qui sont moins protégés, mais sur les extérieurs, il n'y a pas grand-chose à protéger à part les mines extracteurs qui sont censés être checkés. Donc, à part si vous êtes inactif, mais ça, on ne traite pas de protection d'un village inactif. En termes de single target, c'est-à-dire les bâtiments défensifs qui ont une mono-cible, voilà, comme les Tesla, comme les antiaériens, comme les tours d'archer, les canons, on voit la répartition et voilà, encore une fois, c'est plus ou moins équilibré, un petit peu moins côté nord-est, mais sans grande importance, parce que regardez la réserve d'or ici, quand même bien couverte. En splash damage, ce qui me paraît très important, c'est-à-dire la couverture des défenses qui font du dégât de zone. Donc les défenses très importantes sont les tours de sorcier ainsi que les mortiers. Là entre autres vous êtes en HDV8 farming, donc vous êtes plutôt en train de farmer dans les ligues argent ou or, voire or 1, rarement en cristal. Donc on est très attaqué par les attaques géants, barbares archers, barbares archers et gargouilles, donc orbam, mignon on dit en anglais. Et voilà, là il faut avoir des bonnes protections en dégâts de zone. Et là on a vraiment une bonne cumulation. Regardez les cercles un peu rouge vif sur les zones de protection en fait des réserves. Donc là on a vraiment quelque chose de nickel. Je pense. Alors après il reste bien sûr les pièges. On n'a pas vu aussi la drop zone. Donc ça c'est où est-ce qu'on peut. Tiens un petit géant, mais coucou à toi. Là en fait on voit à quel endroit on peut commencer à déployer les troupes. On voit également qu'il n'y a pas de free building. C'est-à-dire que vous voyez que tous les bâtiments mais extérieurs sont sous couverture d'une défense. Regardez. Voilà, il n'y a rien de gratuit. Là, je fais le tour des bâtiments extérieurs. Vous voyez que tout est nickel par rapport à ça aussi. C'est très important de ne pas laisser de bâtiments gratuits, même en mode farming. Les pièges, on les voit ici. Une bombe géante là, une bombe ici à côté du centre, ça peut faire du bien. On a les pièges anti-aériens deux ici. On en a un ici, un là-bas, donc il y a une répartition aussi équilibrée. Regardez la symétrie aussi des trois petites bombes ici et ici. Moi, ça me paraît très bien. Le petit point faible, eh ben, on l'a dit, c'est effectivement le choix qu'il faut faire ici par rapport au château de clan. Mis à part ça, globalement, l'ensemble des ressources est très très bien connu. C'est vraiment un très 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 bon village. Je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, en description le lien pour aller voir donc déjà le plan que je vous montre ici et pour aller voir aussi le sujet en anglais mais qui contient certaines copies d'écran plus en détail et aussi pour voir des variations de ce village s'il y en a qui sont intéressés pour voir une variation en type défensif, guerre de clan, une variation pour protéger mieux certaines parties du village et aussi pour voir l'acheminement des troupes, le comportement que vont avoir les géants avec des dessins, des petites flèches qui pourront vous montrer quelques exemples de cas de figure concrets vis-à-vis du layout. Mais c'est vrai que c'est très difficile de vous montrer comment vont se comporter les troupes si je vous montre pas un gameplay défensif. Malheureusement, je n'en ai pas. Vu que je ne suis pas HDV8 et je n'ai pas demandé à la personne qui a fait le speedbuilding de faire une défense avec ce village. J'espère que ce village va vous intéresser, que vous allez le tester et que vous allez bien défendre vos ressources avec. En attendant, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important. Ça me fait plaisir, c'est le meilleur moyen de me remercier. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo pour en faire profiter vos amis, à mettre un petit commentaire pour que nous puissions discuter de tout ça ensemble. À très bientôt les amis, ciao ciao.